retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo vêtements. Et plus exactement, hein, c'est marqué dans le titre, la première box Look Hero que je commande. Donc que voici, je ne l'ai absolument pas ouverte, elle est complètement fermée. Je vous ai attendu pour que vous puissiez voir ma réaction, mes réactions. Donc Look Hero, c'est une box où un personnage shopper, en fonction d'un questionnaire que vous avez rempli, qu'est-ce que vous aimez porter, qu'est-ce que vous aimez pas, va sélectionner des vêtements pour vous. Donc tu mets ta taille également. Et c'est vrai que je me disais que, alors j'en ai vu plusieurs des box comme ça hein, sur les réseaux YouTube, hein, et à chaque fois je me dis ouais, il y a quand même des trucs pas mal, et ça permet de sortir voilà, des choses un peu basiques qu'on peut acheter ou camouflantes pour ma part. Hein. Je suis une taille plus size, hein, j'ai repris un petit kilo et demi, donc je suis entre 42 et 44. Je crois avoir marqué 44 pour la box Look Hero parce que je voulais pas me tromper. Voilà pour les détails. Pour l'instant, je n'ai rien payé. Le personnel shopper là qui décide quoi vous envoyer, normalement c'est 10 euros, mais il était offert dans l'offre que j'ai sélectionnée normalement. Et ensuite, donc il y a des vêtements et s'ils me plaisent, je les achète. S'ils me plaisent pas, je les renvoie. Normalement, il y a un. Il y a un paquet dedans qui est déjà prêt affranchi. Donc on y va. Je vais l'ouvrir, on ne va pas discuter pendant des plombes. Et on va découvrir, en train de me tuer les doigts, la sélection. Je la couche. Alors déjà je viens de voir un truc avec des fleurs et tout, laisse tomber. Au secours. Donc on a une petite... Voilà pourquoi je vous ai attendu pour l'ouvrir, hein, parce que c'était tellement drôle. On va voir ça. Allez, on sort le petit truc comme ça. Il y a un endroit, voilà, où... Alors, je vais essayer de ne pas regarder. Où, en fait, vous voyez, moi, je vois pas. Il y a plusieurs choix de look par rapport à ce que j'ai reçu, j'imagine. Donc, ok, je regarderai après. Et puis, on a un petit mot. Donc, en tout, ça fait 166 euros si jamais je prenais tout. Sachant que, du coup, on a une remise de moins 25% quand on prend la totalité de la box. Donc, 166 euros pour 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Je crois qu'il y a 5 pièces à chaque fois. Ça, c'est une offre pour avoir les 10 euros gratuits. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Bonjour Olivia, bienvenue chez Look Hero. Je suis Charline. Bonjour Charline. Votre personnel shopper, une nouvelle année, c'est donc avec joie que je vous présente ma sélection. On se tient éloigné du froid avec le bomber. Ah, il y a un bomber. Alors si c'est le bomber qui est plein de couleurs, pourquoi pas. Je vais pas lire complètement parce que j'ai peur de me spoiler. Parce que sinon, ça sert à rien. Allez, j'attrape et c'est le bomber. Je sens le... Alors, comment te dire? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que jamais j'aurais été choisir ce type de couleur. Ça, c'est pas possible. Au niveau de la matière, c'est super doux. Alors, c'est quelle marque? C'est la marque WDC. Donc, moi, je connais pas. Donc, elle m'a bien tout mis en 44. On a les étiquettes qu'il ne faut pas enlever. Et donc, c'est un bomber avec les manches resserrées et également ici. Why not? Ça, ça permet... Il n'y a pas le prix dessus, on ne peut pas savoir le prix tout de suite. Si, il fait 54,90€. Franchement, la matière, elle est belle et tout. Par contre, ça tient pas chaud, ça. Ça tient pas chaud du tout. Mais honnêtement, plus je le regarde et plus je m'habitue aux coloris... Alors après, c'est sûr qu'avec ma... Ben, je crois que j'aime bien finalement. Et c'est ça, et je suis contente parce que... Bon, je ne l'ai pas essayé encore, ça se trouve, il ne me va pas. Mais en tout cas, voilà, je ne serais pas allée vers ça. Donc, je le mets de côté pour tout à l'heure. Et on continue. Donc, j'attrape. Donc là, on a un t-shirt. Alors, plus basique, tu meurs. C'est quoi la marque? La marque, c'est Cahier. Donc en XXL. Ok, donc un t-shirt plus que basique, noir. Mais alors
plus basique. Voilà, par contre, je suis un peu déçue, mais bon, faut voir l'ensemble. Mais il fait 36,90€. À voir, donc ok. Après, bon, c'est. Alors, ensuite, on a une chemise. Alors, pareil, jamais j'aurais pris. Pourtant, vous allez dire, ah, t'as... non, c'est pas pareil. Là, c'est plus froid, c'est plus rose. Why not? Ça a l'air assez court. Hein. Là, c'est la marque Wanted. Voilà. C'est une chemise. Hein. Ouais, qui a l'air assez courte. Donc, en taille 2XL. Oula, 2XL, ça va commencer à faire grand, je pense. On va voir ça. Je ne sais pas du tout. Et ça, ça coûte 34,90€. Pareil, en fait, faut s'habituer, mais en même temps, c'est pour ça que je l'ai prise, pour avoir des pièces que j'aurais jamais choisies toute seule. Donc, on continue. Hop, qu'est-ce que c'est? Alors, une espèce, c'est quoi? C'est une robe? C'est une chemise? Alors là, ça m'intrigue. Donc, kaki, donc moi, le kaki, j'aime, donc parfait. Une espèce de chemise qui se resserre à la taille. À cet endroit-là, on a un lien comme ça. Why not? C'est joli. Ça a l'air assez long. Est-ce que c'est une robe? Est-ce que c'est une chemise? Est-ce que c'est une surchemise? Je ne sais pas. C'est la marque Onikarmakoma. Ouais. Taille 44. Et ça, ça coûte bah, 50 balles. Hein. Prix psychologique, 49,90. Donc, voilà. Donc, j'imagine que c'est pour un deuxième look. C'est plutôt joli. La matière est plutôt douce, agréable. C'est plus épais déjà que le reste. Ça, on peut mettre avec des collants. Peut-être faut voir la taille. La longueur. Et pour finir, un jean. Alors, un skinny. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi tu m'envoies un skinny. Alors, mais moi, le skinny, c'est pas possible. À chaque fois... Et alors, le bleu comme ça. Alors, l'avantage, c'est que j'en ai pas un bleu comme ça, puisque c'est pas des bleus que j'apprécie. Ça, ça fait vraiment bleu de travail. Le jean, il coûte 44,99€. C'est la marque Vera Dora. Et c'est longueur 32. Ah, il doit être court. Hein. Il paraît immense. Non, là, là, il y a un problème. Il est immense. Pourquoi il est si grand? Mais pourquoi il est si grand? Je sais pas. XXL. Alors là, à mon avis, ça va pas le faire. Là, quand même, j'ai repris un kilo, mais là, là, non. Bon, c'est pas grave. Voilà. Au fond, on a le fameux sac pour renvoyer les vêtements qui est déjà affranchi. Il y a tout, il suffit de le remplir. Voilà, il est grand comme ça. Ok, et eh ben écoutez, c'est parti, on va tester, enfin je vais tester et puis je vais décider si je garde ou pas. Donc on a la chemise, elle est trop grande, clairement elle est trop grande. C'est trop long, alors c'est trop court pour que ce soit une robe parce que ben, là du coup il n'y a pas de bouton et ça arrive pas où il faut. Et je trouve ça beaucoup trop long. Ou alors... ouvert en veste. À voir, je vais mettre le top noir peut-être. J'ai gardé mon jean noir du coup. Mais sinon la matière est vraiment chouette. Je vois qu'il y a un bouton ici. Du coup on peut à mon avis remonter, il doit y avoir un truc. Donc why not, mais comme ça fermé, je sais pas, je trouve ça vraiment quelconque. Ça ne met pas du tout en valeur, il n'y a pas grand chose à mettre en valeur, mais non, je valide pas comme ça en tout cas. Le top noir, eh bien, je le trouve trop collant sur les fesses. Voilà. Alors qu'il est un peu grand ici. On va l'essayer avec la veste. J'ai froid, on est en plein hiver. Hein. Je sais pas, des pulls, non, en hiver. On va essayer cette veste qui est quand même intéressante, on va dire. Donc là voici,
Donc ça peut être pas mal, franchement. Je pense que ça peut être pas mal. Fermé, ça va pas faire beau. Hop. J'imagine qu'il faut faire comme ça. Alors bon, j'ai pas besoin d'être plus grosse en dessous. Mais fermé, voilà, c'est super agréable à porter. Par contre, super agréable. Ah là 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 là. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Toi, t'en penses quoi? J'ai remis la chemise ouverte. Et c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand. Ça va pas. Franchement, si elle avait été à ma taille, parce que là, elle est vraiment trop grande, pourquoi pas? Mais là, alors si j'ai du mal à choisir mes tailles, maintenant, ça va être compliqué. Le dernier article, très agréable à porter. Alors si je ferme le dernier bouton, ça fait pas joli, donc j'en ai ouvert un. Même en ouvrir deux, tiens, allez, c'est la fête. C'est pas moche, hein, franchement, c'est pas moche. Je vous montre de plus près. Mais je sais pas quoi en penser. Bon, c'est un peu la cata là quand même, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est la moins pire. Si je repère 1 ou 2 kilos, ça va le faire. Sauf que la manche est longue quand même, hein. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas. Après, bon, ça se remonte. Ouais. Allez, j'essaie le jean pour rigoler. Donc là, bon, faut quand même arrêter les conneries. Je veux bien croire que je me trompe de taille, mais là quand même, hein, tu vois s'il te plaît, là je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Bon, ouais. Ah, je te dire un truc, c'est un peu zi catastrophe, tu vois. Je peux faire un petit bébé. On fait le bilan. Bon, le bilan n'est pas bon, hein. Bon, le jean déjà, je pense que vous avez vu, hein. Bon, il est 10 fois trop grand, donc au revoir. J'ai beaucoup hésité sur la veste, hein, parce que je pense que ça aurait pu être chouette. Mais en fait, elle est trop grande. Alors certes, quand je la ferme, c'est pas terrible, mais la taille en dessous m'aurait suffi. Et je la trouve un peu trop longue. Je préfère quand c'est plus court. Donc, combien elle coûte? 54,90 €, sachant que mon but est de perdre encore au moins 5 kilos, ça va être compliqué, donc je vais pas la garder. Je suis un peu blasée. Ensuite, le t-shirt noir. Non seulement c'est un t-shirt basique, j'ai acheté les mêmes à Decathlon et ils sont mieux, ils taillent vachement mieux, ils me collent moins. Et pour une taille plus petite en plus, je comprends pas tout, donc je vais pas garder. L'espèce de veste chemise kaki. Franchement, elle est chouette, mais elle est trop grande. Pareil, je pense que si elle avait été une taille ou deux tailles en dessous, ça l'aurait fait. Je comprends pas en remplissant 44 qu'on puisse avoir des trucs si grands. Là, franchement, je comprends pas tout. Et le dernier, franchement, je sais pas. C'est pas franchement mes couleurs. Alors, j'ai mis tout devant moi. C'est pas mes couleurs. Par contre, elle n'est pas très longue. Elle n'est pas trop longue, pardon. Donc la longueur me convient. Elle est un chouï trop petite des fesses. Mais du coup, ça veut dire qu'elle peut avoir de l'avenir. Et sachant que ça, je porte avec un top. Je me suis rhabillée, il manque un bouton. Je mets un top noir en dessous et je peux la porter ouverte. J'hésite. Combien elle coûte? Elle coûte 34,90 €. Marque Wanted, je connais pas. Honnêtement, pour le printemps, ça peut être sympa. Enfin, ça fait très automnal comme couleur, j'ai envie de dire. J'ai presque envie de la garder quand même, parce que ça m'emmerde de rien garder, quoi. Enfin, tu vois, j'ai presque envie de la garder, même si visuellement, finalement, c'était ce qui me convenait le moins, ce qui ressemble moins à ma personnalité, mais ça reste de l'imprimé animal. Alors avec du sous-ton rose, je ne sais pas si ça me va trop au teint. Franchement, je ne sais pas.
J'espère que je vais pas faire une connerie, mais je vais la garder. Je vais la garder parce que la longueur, elle est ok. Et là, je peux la mettre en faisant sauter le bouton du bas ou en la portant ouverte. Donc, ouais, je vais la garder. Donc voilà, le bilan est quand même pas merveilleux, donc ça je garde. Je ne sais pas si tout va loger là-dedans, mais de toute façon il n'y a pas le choix. Il faut, je crois, que j'aille sur le site internet pour dire ce que je garde et plutôt ce que je garde pas. Voilà, et pourquoi. Et je pense que la majorité, là, on a surtout un problème de taille. Donc après, c'était la première. Bon, très mitigé, est-ce que je vais recommencer, franchement, là, comme ça, quand tu vois, alors ça c'est une chemise qui habille, qu'est-ce que je la mets, je l'ai payé 3 balles, quoi, du coup, je me dis, ça coûte des sous, parce que là, elle fait 30 € la chemise, donc, bon, la matière est pas la même, hein, attention, la matière est mieux sur l'autre, mais quand même, ça... Alors, je réessayerai peut-être une fois, parce que bah, peut-être il faut le temps de se coordonner et peut-être donner les mesures carrément. Hein. Moi, je suis prête à donner mes mesures pour pas avoir des problèmes de taille comme ça. Parce que là, franchement, s'il n'y avait pas eu de problème de taille, bah, j'aurais peut-être gardé en un ou deux articles de plus, quoi. Voilà, voilà, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. Peut-être vous n'avez rien aimé comme moi, que c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez déjà testé ce type de box? Là, j'avoue, bon, alors on retiendra quand même que la chemise, je ne l'aurais jamais achetée en temps normal, je ne me serais pas retournée sur elle. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'en pense ma mère, tu sais. Oui, ma mère. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour le test. Hein, quand on veut tester des choses, ben voilà. C'est pas toujours merveilleux. Je vous fais plein de bisous. Je vous attends en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !